Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter certains produits que je vous recommande durant vos essais bébés. Alors vous demandez peut-être de quel produit je parle. Si vous regardez dans les liens dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo, vous allez voir produits que je recommande et ce sont en fait une liste de produits que je recommande et qui sont sur Amazon. Voilà, c'est des produits que je trouve utiles et que ben voilà, les femmes que j'accompagne ont testé et sur lesquelles on a eu des bons retours. Donc c'est pour ça que je vous conseille ceci particulièrement. Juste avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste préciser qu'il y a plein de produits sur le marché qui vous disent que ça va augmenter votre fertilité, etc. Pour beaucoup de ces produits miracles, entre guillemets, il y a des composants à l'intérieur qui nuisent à la fertilité. Donc il faut faire attention un peu à ces produits miracles. Et le plus gros de tout ce que vous pouvez faire pour soutenir votre fertilité, ça passe par ce que vous faites au quotidien, votre alimentation, votre hygiène de vie au sens large. Et c'est ça vraiment sur lequel je voulais revenir. S'il existait un produit miracle pour tomber enceinte, forcément je vous en aurais parlé. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, je tenais juste à faire cette petite parenthèse avant de commencer. Donc déjà, la première chose que je vous recommande, c'est d'avoir recours à des compléments alimentaires. Donc en fait, c'est des micronutriments que vous allez prendre en plus de votre alimentation pour être sûr d'avoir des taux hormonaux réguliers, adaptés, équilibrés. Après, je vous conseille toujours de prendre ces compléments après avoir fait une prise de sang pour voir si vous avez ou non des carences. Si vous voulez, vous allez au travers de votre alimentation les retrouver, mais souvent, bah, on n'a pas des taux, par exemple, en zinc suffisant, en fer suffisant, etc. Et donc, les compléments alimentaires spécifiques aux essais bébés, notamment ceux que je vous conseille et ceux que je vous recommande, eh bien, ils ont tous les micronutriments vraiment indispensables à cette période de conception. Et d'ailleurs, les deux que je vous recommande, ils ont de l'iode, ce qui n'est pas le cas pour certains autres compléments alimentaires. Et l'iode, pour le coup, elle est vraiment hyper importante pour vous aider à soutenir le travail de votre thyroïde qui est parfois mise à mal avec tous les perturbateurs endocriniens qui sont partout dans notre environnement, mais également parce qu'elle est là pour réguler un petit peu tout le système hormonal. Donc si vous la soutenez en prenant de l'iode, et eh ben forcément ça va l'aider. Et donc les compléments alimentaires dont je vous parle, ils en ont à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de tous, et ils ont également tous les autres micronutriments vraiment indispensables pour la période de préconception. D'ailleurs, je recommande également un complément alimentaire spécifique aux femmes qui viennent d'arrêter la pilule parce que en post-pilule, il peut y avoir certains taux, notamment en vitamine B et en zinc, qui sont un petit peu mis à mal parce que la pilule, elle épuise un petit peu ces taux-là. Donc, le complément BioCB de Nutergia, pour le coup, il est vraiment pensé pour les femmes qui sont en période post-pilule et qui débutent plus ou moins leurs essais bébés. Parmi les produits que je recommande, il y a également des tests de grossesse, des tests d'ovulation, des tests précoces. Je les recommande eux particulièrement parce que j'en ai eu de bons retours des femmes que j'accompagne, parce que c'est ceux sur lesquels on a observé le moins de barres d'évaporation ou en tout cas qu'ils étaient les plus faciles à utiliser au quotidien. Après, là encore, rien n'est indispensable, tous les tests ne sont absolument pas indispensables. Les tests d'ovulation peuvent être vraiment remplacés par l'observation de votre glaire cervicale et la prise de votre température. Ce seront deux outils fiables qui vont remplacer les tests d'ovulation. Donc voilà, je pense qu'ils ne sont pas indispensables, mais ils peuvent être utiles quand au début on n'est pas trop à l'aise avec son corps, avec les différents signaux qu'il nous envoie. Ça peut être un moyen vraiment utile et pratique pour savoir quand est-ce qu'on ovule, quand est-ce que c'est le bon moment et tout ça. Après, les tests de grossesse, c'est pareil. Les tests de grossesse précoce, il faut quand même attendre la période de nidation avant de tester. Je vous renvoie vers ma vidéo sur le quand est-ce qu'il faut tester pour voilà, comprendre un petit peu la nidation, quand ça a lieu, quand est-ce que je vous conseille de faire un test, etc. Mais voilà, les tests que je vous recommande, c'est surtout parce que j'en ai eu des bons retours sur cela particulièrement. Et donc c'est pour ça que je vous les recommande à mon tour. Et voilà, dans les produits que je vous recommande, il n'y aura pas grand-chose de plus, si ce n'est voilà, ces compléments, ces tests. Il pourrait y avoir des livres, il pourrait y avoir voilà, des outils comme ça qui pourraient vous aider. Mais après, je pense vraiment que le plus gros, c'est vous, c'est votre hygiène de vie, c'est votre conjoint, son hygiène de vie, parce que tout part de là en fait. Et les produits miracles, et les produits spécifiques, booster fertilité, etc. Je pense pas que ce soit forcément toujours
important d'y avoir recours. Il y a des produits qui vont aider certaines femmes, par exemple, si vous avez des cycles très longs ou si vous n'avez pas spécialement de glaire cervicale, il y a par exemple l'huile d'onagre qui pourrait vous aider, mais c'est pas, il faut prendre de l'huile d'onagre à toutes les sauces, quoi. C'est vraiment adapté pour certaines femmes et pour certaines situations. Et pour le coup, ça serait pas du tout aidant et accompagnant pour d'autres femmes qui auraient d'autres problématiques. Donc oui, il existe des produits vraiment pour la fertilité qui aident, mais qui sont vraiment adaptés à un certain type de femme et pas à toutes. Et c'est important de prendre un peu de recul et de regarder si c'est adapté à votre situation. Pour le reste, ben voilà, ce que vous mangez, c'est, je pense, le plus important à regarder. Même si l'alimentation parfaite, elle n'existe pas, mais voilà, faire attention à votre alimentation et à ce que vous donnez à votre corps pour que derrière lui, il se dise, OK, j'ai tout pour porter la vie, je suis en bonne santé. Donc voilà un petit peu pour conclure cette vidéo. J'espère que ces conseils vous auront été utiles. Vous retrouverez du coup tous les liens des produits dont je vous parle dans ma barre d'infos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Donc voilà, après si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, bah, je vous en remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est grâce à ça aussi que je sais que mon contenu vous plaît, vous aide, répond à vos questions. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur si vous vous abonnez. En tout cas, moi je croise fort mes doigts pour vous. Je vous envoie plein 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 de belles ondes positives et je vous souhaite de tout cœur que ce bébé tant attendu, il arrive très vite dans vos vies. Et je vous dis à très bientôt!